Une pointe de flèche fine en silex percée de trous, brisée en deux. L'empennage me dit quelque chose. Attention, on a perdu le contact avec l'équipe qui ratisse le bas de la vallée. Est-ce que vous avez un contact visuel avec eux? Négatif. Des ennemis à craindre? C'est peut-être juste des interférences, mais Constantin veut en être sûr. Voici maintenant un mois que je fréquente le Forum pour écouter le prophète. Je porte les vêtements de la plèbe, car il ne siérait pas au fils d'une grande famille d'être vu en ce lieu. La rumeur court que les nobles et les hommes d'église de l'Occident cherchent à faire taire le prophète. Je ne peux qu'écouter et rapporter les paroles du grand homme. Nul n'a jamais dit la vérité sur Dieu, car nul ne la connaît. La foi du paysan ou du soldat est plus sacrée que celle de tous les seigneurs et empereurs. Ceux qui prétendent parler au nom du Créateur nous mentent. Aucun homme ne peut parler pour lui, car sa voix est dans le ciel, dans l'eau et dans tout ce qui nous entoure. Ce truc que les natifs protègent, la source divine. Thank you.
fouiller sous ces ruines colossales. Il faut creuser plus profond et plus vite. Les hommes prennent leurs précautions. Leurs précautions? Pourquoi? On n'a plus le temps pour ça. Et moi, je n'ai plus la patience. Avec tout le respect que je vous dois, si tous les hommes meurent là-dessus, nous sommes tous remplaçables, commandant. Ce qui compte, ce sont les résultats. Les enjeux sont trop importants. Ce serait insensible, même venant de toi, Lara. Ceci dit, je sais pourquoi tu n'as pas pressé la détente. Si tu me tues, mes hommes te pulvériseront en moins de deux. C'est bien la seule chose qu'ils savent faire mieux que toi. La Fermana. On ne bouge plus! Tu ne peux pas t'échapper! Tu es là! Allez! Considère mon offre, Lara, avant qu'il ne soit trop tard. Il est trop tard depuis le moment où t'as trahi ma famille. C'est moi qui pars avec l'Atlas, Anna. Il y a quelque chose qui est en train de massacrer mes hommes, Lara. S'ils n'ont pas réussi à le trouver, tu ne le trouveras pas. Va te faire foutre! Croft arrive vers vous. Tu es là, et rapportez-moi cette saleté d'Atlas. Croft continue à nous mettre des bâtons dans les roues. Elle a rejoint les gens de la vallée dans leur cabane sordide et les a aidés à remporter une série de victoires. Oh, j'aimerais pouvoir lui faire comprendre à quel point elle se trompe. À quel point son idée de la moralité est fausse. Le monde est trop corrompu pour prendre des demi-mesures. Il ne peut pas être sauvé par une héroïne solitaire. L'idée de dévoiler l'existence de la source divine serait risible si elle n'était pas aussi dangereuse. Ai-je vraiment pensé qu'elle pouvait servir la cause des Trinitaires un jour ? Oui. Mais plus maintenant. Nous étions proches, elle et moi. Le lien est toujours là. Mais je n'ai plus le choix à présent. Elle doit être éliminée. Et je sais que c'est possible. J'ai déjà brisé des ennemis plus coriaces. Thank you.
Le voilà. C'est forcément ça. J'ai devancé Anna. Mais je ne sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Il y a quelque chose d'autre qui évolue dans l'obscurité de cet endroit. Quoi qu'il en soit, je dois continuer. Je suis trop près du but. Anna pense me connaître. Et c'est peut-être le cas d'une certaine manière. Mais elle ne sait pas tout. Et tant qu'elle continuera à me sous-estimer, j'aurai une chance de garder l'avantage. Une vieille fresque. Et tous ces contenants. Du feu grégeois. Les soldats immortels du prophète. Armés du feu grégeois. Ils étaient impitoyables. Oh non, brûlé vif. Bon sang! Mal! Quoi? C'est pas... Dieu! Aidez-moi! Je veux juste... mourir! Mourir! Pitié! Je veux... Pitié! Je veux mourir. Je veux mourir. Oui. Oui, merci. Merci. Faites-le. Qui a bien pu faire ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ces contenants sont toujours pleins. Si je pouvais y mettre le feu, ils sont encore pleins de feu grégeois. Je me demande s'il peut encore brûler. Certains pensent que le prophète est le fils de Dieu revenu à la vie, mais il ne prétend rien de tel. Certains qualifient ses actes de miracles, mais ils rejettent ces allégations. Pour ses fidèles, son humilité prouve la valeur de son message. L'heure du changement approche. J'ai renoncé à tous les attributs de mon rang, et je me consacre désormais entièrement au prophète.
Je fais circuler sa parole, et j'essaie de convertir les miens à sa cause. Mais cela provoque le courroux de l'élite, et attire l'attention de l'Église d'Occident. Ont signalé de multiples contacts. On est tout seul jusqu'à ce qu'il se ferait un chemin. Pas le temps! Croft t'as le paquet! On peut pas la laisser filer!
Oh non. Tu souffres. Assez pour faire sauter tout cet endroit. Faut que je me grouille. Là, je l'ai vu. Bouge pas. Donne-moi la glace. Oh.